Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est les vlogs de Linda. Je m'appelle Linda. Je vous emmène faire un petit tour au magasin Action dans la ville de Stain. Ça sera une vidéo spéciale make-up, soins, tout ce qui concerne la beauté. Il y a pas mal de choses ici. C'est vraiment bien achalandé, bien chargé. Les rayons sont vraiment magnifiques. Donc j'en profite pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut retrouver, détailler ensemble les prix, voilà comment utiliser les produits, si je peux bien sûr. On a pas mal de choses, notamment des palettes. Et oui, les palettes ici Action, elles sont vraiment magnifiques. J'aime beaucoup. Moi, j'achète souvent les palettes pour essayer, pour tester des palettes ici à Action. Et je pense que vous aussi, vous aimez ça. N'hésitez pas en commentaire si vous avez testé ou pas, si vous aimez leurs palettes. On a pour commencer cette jolie palette qui est sublime ici. Regardez les fards, les ombres à paupières. Ils sont à 4,95€ les palettes, pas plus normalement. On a celle-ci qui est jolie, que j'ai déjà achetée d'ailleurs. Regardez comment elle est belle. Donc on a des modèles avec miroir et des modèles sans miroir. On a aussi celle-ci. Ça c'est la marque Fab Factory. Hein. Fab Factory. Ils font pas mal de belles choses. Pareil, la même marque pour cette grande palette qui est vraiment complète. On a du rouge à lèvres. Ici, on a blush highlighter et des ombres à paupières irisées et mates. Et ce modèle, il fait 4,95€, 66 couleurs. On a aussi toujours de la même marque ce modèle. Il est un peu cassé. Faites attention, n'hésitez pas à regarder. Là, on a un miroir. C'est vraiment des fards irisés, ils sont tous irisés hein. Alors sinon pour le make-up, pour les ombres à paupières, on a aussi ça de la marque Max & More à 2,12€. Franchement là c'est vraiment ça passe partout, c'est petit, même les couleurs ils sont magnifiques. On a aussi normalement une autre palette, une petite palette avec 4 fards gris que je ne vois pas d'ailleurs. Je vais essayer de voir, c'est là, 1,11€. Voilà. Là c'est un beauty blender avec le support en métal. Je n'ai pas le prix, c'est 89 centimes, je pense qu'il est en promo. Recourbe-cils, c'est 99 centimes. Et on a aussi le fond de teint. Fond de teint que j'ai testé, il n'est pas très couvrant mais franchement il fait vraiment le job. Franchement il fait vraiment le job, il est très bien. Il est très bien. Pour le prix, rien à dire. Moi, je l'ai, je le mets. Il est bien. Le fond de teint, je vais voir le prix en fait. 1,59€. Il y a plusieurs teintes, même le plus foncé. Regardez, la plus foncée, c'est 134. C'est la plus foncée. On a d'autres plus claires aussi. Là, il n'y a pas tout, mais les fossiles. Alors là, les fossiles, on a 3 paires de fossiles ou bien celle-ci. Une paire de fossiles avec la colle. C'est 2,19€ et on a aussi normalement 3 paires de fossiles que je ne vois pas, il n'y en a plus. Voilà. Là c'est le... comment on appelle ça? Poudre libre. Poudre libre, on a la fraise et on a mangue. Mangue, elle est un petit peu plus teintée que celle à la fraise, je vais vous montrer. Regardez. Mangue et fraise. 1,99€. Les mains ongles 3 pièces, 69 centimes, pardon. Et sinon, les pinceaux, on a ça aussi à l'unité si vous souhaitez acheter que, par exemple, si vous avez besoin que de le petit, c'est 78 centimes. Le grand, le moyen là, pour le fond de teint, 1,04€. Et le plus grand pour le blush, 1,19€. Sinon, les petits, c'est 78 centimes. Sinon, les Beauty Blender, on a aussi ça, en plusieurs couleurs. Hein. À l'unité, c'est 99 centimes. Allez, passons au rouge à lèvres. Max & More rouge à lèvres, on a plusieurs couleurs, plusieurs... regardez celle-ci. On a du nude, 1,11€ hein, le rouge à lèvres Max & More. Celle-ci, elle est magnifique. Des crayons à lèvres qui sont mat, qui tiennent très très bien d'ailleurs, à 1,11€ aussi, je pense. C'est ça, 1,11€. Ils sont très bien hein, testés, approuvés, hein. Il y a plusieurs teintes. Là, c'est un lips, un rouge à lèvres liquide. Hein. Un gloss, regardez les teintes qu'on a, magnifique. 1,11€. Ça c'est un sorte de bronzer. On a deux teintes. Hein. Ici un peu highlighter et là c'est mat pour faire le contouring, un petit contouring, un petit pour donner un petit teint allé. 1,59€. Et ça c'est un blush. Hein.
Toujours Maxime Mort. Blush, c'est ça le prix. Farajou, 1,11€. On a deux teintes. Un petit peu rosé et une teinte un petit peu couleur pêche. J'ai testé, il est très bien. Les crayons pour les yeux et les lèvres. Regardez. On a 10 crayons ici, 2,49€. Et on a aussi ces fards ombre à paupières Max & More. Et là, c'est des couleurs très flashy. Voilà, on a kiwi, pardon, il est tombé. Kiwi, pastèque et agrume. Je vais essayer de vous montrer déjà un. Alors là, c'est le kiwi. Voilà, je vous montre un petit peu les fards avec le miroir. Je vais vous montrer les autres, vite fait. Alors là, c'est agrume. La boîte, elle est magnifique. Voilà l'intérieur. Là, c'est pastèque. C'est vert. Et les couleurs, ça donne ça. €1,95. Je remets tout à sa place, bien évidemment. Voilà, hop, j'ai tout remis. Là, c'est le mascara volume intense noir, 3,99€. J'ai pas testé. Allez, les pinceaux, on a ça. Marble, 4,39€, 4 pièces. 3 pièces plus la trousse. C'est des pinceaux doubles, hein, donc ça fait 6. 4,79€. Là, c'est avec une trousse pailletée vert. On a 4 pinceaux, 5 pinceaux. Et c'est 3,95€. On a ce modèle avec le support en coquillage, comme ça. On a 5 pinceaux, 4,49€. Sinon, les soins, hein, franchement, il y a de quoi faire. On a des crèmes, des masques. Là, c'est crème anti-rides pour la journée, le blanc. Et pour la nuit, pour le bleu, de la marque Nivea, c'est 4,98€. On a L'Oréal, donc anti-rides, collagène, soit anti-rides, pour L'Oréal Paris, qui est à 5,95€. Et là, c'est des masques pour le visage. Faites attention, c'est pas une crème en fait, c'est des masques à poser 20 minutes. Ou bien, il y en a une qu'il faut laisser toute la nuit. Et là, c'est 2,22€. Là, c'est une crème, pareil, pour le soin du visage, hydratant, à l'acide, retinol, celle-ci. 50 ml à 2,99€. On a aussi la crème de jour, hein, de la marque Eliza John. Je vous rappelle qu'il y a aussi le sérum. Si vous souhaitez compléter, prendre le sérum plus la crème de jour, hein, crème anti-rides, hein, pour le visage. Là, c'est 2,99€. Crème visage. Pour le sérum, on a 3 modèles. Ça dépend, hein, de votre type de peau. Jaune, rouge et vert. C'est un sérum pour le visage Eliza Jones. Et celle-ci, elle coûte 2,99€, 30 ml. On a aussi Eliza Jones, mais c'est une autre gamme. C'est un sérum, pareil, on a 3 modèles. Hein. 1,89€. On a aussi ce modèle que j'ai testé. Franchement, on a eu des bons retours, hein, de ce sérum, hein, pour le visage. 1,98€. Là, c'est de l'huile pour le visage, pour le corps, pour les cheveux. L'huile de jojoba, qui est très très bien, c'est 100% naturel. L'huile de jojoba, c'est 2,119€. Regardez sur Google ce qu'on peut faire avec que apporte l'huile de jojoba, vous allez voir. L'huile d'amande douce, 100% naturel, à 2,119€, c'est 150 ml. L'huile de ricin, ça c'est pour les pousses de cheveux, à 2,119€. Il y a aussi l'huile d'amande, mais non, l'huile de argan, mais je ne le vois pas. Il n'est plus disponible, malheureusement. Les lingettes démaquillantes ici sont disponibles de la marque Alvira. On a celle-ci, la verte, 100% naturelle, biodégradable, on a 25 pièces. Donc c'est 25 lingettes, 100% naturelle, coton. Alors celle-ci, elle est à 79 centimes. Et la rose, elle coûte 79 centimes, également 25 lingettes. Et là, c'est pour tout type de peau. Hein. Je pense, tout type de peau. Coton, qu'on peut utiliser aussi pour le make-up. Hein. Il est très très bien. 300 pièces à 95 centimes. C'est vraiment pas cher. On a aussi ce sérum que je ne vous ai pas montré. Je suis passée devant. Sérum à l'aloe vera. Il y a aussi la crème
aloe vera. Si vous souhaitez faire un petit ensemble, crème de jour, aloe vera, 2,99€, 110 ml. Et on a aussi le sérum pour le visage qu'on met d'abord et ensuite on met la crème par-dessus. 50 ml, 1,99€. Pour se démaquiller, justement, on a le coton réutilisable avec le filet. Le coton, 10 cotons, là on a 10 pièces à 1,99€. C'est réutilisable, on peut le nettoyer, le laver à la machine. On a aussi la lingette de la même matière, 99 centimes. Réutilisable aussi, qu'on peut passer à la machine sans souci. Ici, on a les cotons. Coton, on a le modèle ovale à 97 centimes, les 50 pièces. Et on a aussi le 10 coton rond, comme ça, petit coton, à 80 pièces à 59 centimes. Ici, on a le lot de 4 lingettes de 25 pièces à 2,119 €. Et là, justement, c'est un bandeau justement pour ramasser les cheveux, pour se maquiller correctement, bien faire du soin, des soins du visage. 1,11 € pour ce bandeau phosphorure et plusieurs couleurs. Je vous conseille vraiment ce gommage en fait pour les personnes qui ne l'ont pas encore testé. Hein. Pour les personnes qui l'ont testé, bon, je sais très bien qu'ils approuvent. J'ai eu énormément de bons retours. Je l'ai testé, mais je le mets mais tout le temps. Ça fait maintenant un an que je le teste, que je l'utilise en fait. C'est un gommage biodégradable, certifié bio, pardon, avec des ingrédients qui sont très très bien. Ils sont très bien notés. C'est à base de graines de café pour le visage et corps. Moi, je l'utilise pour le visage. C'est 1,95 € le gommage. On a aussi ce masque pour le visage. Là, c'est un masque peel-off pour la zone T, pour les points noirs, les peaux grasses, zone T. Donc, faut l'appliquer, vous le laissez sécher, ensuite vous l'enlevez comme ça se retire comme un peel-off, hein, quoi. Il y a une petite cuillère qui est fournie, 100 grammes à 2,39 €. Sinon, pour les points noirs, on a des patchs. Les patchs pour le nez, 6 pièces à 99 centimes. Alors, on finit avec le corps. Le corps, en fait, on a des crèmes corporelles, des gommages, de l'huile, etc. On va commencer avec le gel aloe vera. C'est du gel qui hydrate tout le corps à 92% d'ingrédients naturels. C'est 300 ml à 2,49 €. On a de la crème pour le corps, en fait, pour tout le corps de la marque Dove. Donc c'est juste la couleur de la boîte qui change, mais sinon c'est la même chose. Et une crème pour le corps 24 heures qui hydrate 2,79 € les 350. Sinon, petit format, les amis, petit format ici, Dove, c'est 1,59 € le petit format Dove. Là, c'est en fait de la vaseline adoucissant à 1,79 €. C'est 100 ml. L'huile corporelle à base de l'huile d'olive de la marque Nivea à 3,49 € 400 ml. Et on a aussi de l'huile pour le massage, 600 ml à 2,29 €. L'huile massage. Là, c'est un gommage corporel à la fraise. Ça doit sentir super bon, j'ai pas testé. Gommage corporel, j'aime beaucoup les gommages comme ça dans un pot. Ça doit être vraiment très agréable. 400 grammes à 1,99 € pour celle-ci. De la marque Spa, on a aussi une crème. Ça, c'est une crème corporelle 250 à 1,69 €. De la marque Spa. Là, c'est un lotion corps auto-bronzant. Auto-bronzant pour le corps. Appliquer une couche fine sur l'ensemble du corps et ça va donner un petit teint hâlé à la vitamine. 150 ml à 2,29 €. Ça, c'est de la crème pour les mains. Hein. C'est une nouveauté, je pense. 95 centimes. Crème pour les mains. Alors, j'ai fait le tour et j'ai trouvé aussi une tête de gondole. C'est ce lot de 10 pièces de pinceau et beauty blender. Éponge pour le fond de teint à 5,95 € l'ensemble. 10 pièces. Hein. Donc, c'est vraiment de bonne qualité. Il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur.
Pour le rangement justement du make-up, pour finir la vidéo, on a le retour de ce rangement qui est juste à tomber. J'aime beaucoup. C'est une petite commode avec 4 tiroirs. Ici, on a une deuxième pièce en fait séparée pour mettre les rouges à lèvres, palettes, etc. Donc là, c'est 7,95 €. C'est en acrylique blanc. On a aussi cette boîte de rangement. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a 3 tiroirs. On a à l'intérieur des produits. À 9,95 €, on a un séparateur d'orteils, miroir, éponge, coupe-ongles, ciseaux, lime à ongles, petit pinceau et on a aussi la taille crayon. Alors je reviens ici pour vous montrer le reste, les rangements pour tiroirs par exemple. Là c'est des compartiments séparés, on a 6 pièces à 3,48 € et on a aussi ce modèle. Celui-ci il est à 2 € et quelques ou 3 €, je suis pas sûre, mais il en reste pas mal derrière. Même ce modèle, hein, ce modèle, il en reste pas mal, hein, juste derrière au fond. Sinon, on a le modèle en bambou, 3,99 €. C'est la même chose que ça, mais c'est en bambou. Très joli aussi. Si vous préférez le bambou. J'ai oublié de vous montrer l'anticerne que j'ai testé. L'anticerne, il n'est pas très couvrant. Couvrance moyenne. Il fait bien son travail, mais si vous cherchez plus de couvrance, franchement, il ne fait pas l'affaire. Couvrance vraiment très moyenne. 1,29 € ce concealer ou anti-cerne. Il y a plusieurs teintes. Et on finit avec cette bouteille vide, avec un pchit, hein, si vous avez besoin d'une bouteille vide pour justement les cheveux, par exemple. Donc c'est en métal, il y a plusieurs couleurs. Hein. Il y a même du doré, du bleu, de l'argenté, etc. Voilà. Ah, je pense que c'est ça le prix. C'est 200 ml, hein, 95 centimes. 200 ml. À côté, je vois qu'ils ont remis des brosses pour faire des brushings, pour se coiffer les cheveux. Regardez, on a celle-ci en bois. On a celle-ci pour justement faire des queues de cheval bien lisser le devant. Ça, je l'ai acheté pour ma fille. C'est 1,39 €. On a aussi ce modèle en plastique là. On a celle-ci. On a aussi celle-ci. Celle-ci, 1,29 €. Et celle-ci. Donc il y a le choix. Franchement, il y a le choix. En bois ou en plastique. Là, c'est du bois. Hein. 1,39 €. 1,29 € pour en plastique noir. Voilà, bah, les amis, ma vidéo arrive à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Excellente journée à tous.